a toutes les informations, est-ce qu'il y a des défauts, est-ce qu'il y a des sécurités, des trucs comme ça. S'il n'y a aucun défaut, pas de sécurité, tout comme ça, hop, on peut y aller. Voilà. D'accord. Et si jamais on s'arrête ou quoi, ou qu'il y a un souci, lui en bas, du coup, ça lui donne l'information, il peut regarder du coup combien de soucis, puis régler. Parce que je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'informatique. Hein, bah, alors, sur celui-là, ça va encore, parce que c'est quand même une vieille installation. Elle a été implantée en 1960, de base. Donc c'est pour ça que nous, sur tout ce qui est cabine et tout, c'est plutôt du manuel, on va dire. D'accord. Et en fait, en bas, c'est simplement, on va dire, des capteurs. Par exemple, on a une pièce sur une poulie. Mmh. Si elle est encrassée, il y a une sécurité qui se met. Et donc, en fait, elle se lève un petit peu et un capteur qui fait une sécurité, qui arrête ça. Mais c'est un circuit électronique assez basique, on va dire. Ça fonctionne un peu. Électrique. Ouais, électrique, seulement si on a un souci, justement par exemple, s'il peut y avoir des soucis d'alimentation. Ah, mais t'as vu, faut descendre vite, hein. Non, on va à la même vitesse en fait. On a l'impression qu'on va vite, mais on fait une vingtaine de kilomètres environ. Ah, mais on a l'impression qu'il a filé le truc. Ouais. Oui, du coup, en fait, si on a un souci, donc, par exemple, d'alimentation électrique, on a quand même une génératrice électrogène, donc qui marche au moteur thermique. Oui. Et qui peut générer l'électricité suffisante pour mettre à quai les cabines. Oui, du moins pour les ramener, quoi. Ouais, ah. Voilà. Ouais, quand c'est un thermique, quand on passe en thermique, donc on a des essais, je crois que c'est hebdomadaire, pour justement faire des essais avec ces génératrices-là, voir si ça fonctionne bien. Et sinon, c'est déjà arrivé, par exemple, là, on a eu un souci sur un côté des sièges, sur la pointe de Nyon. Il y a un fusible qui avait sauté et du coup il est évacué au thermique. Et du coup ça va tout doucement, mais on évacue la ligne. Une fois que la ligne est 100% évacuée, on ferme le télésiège. Et puis il n'y a pas eu de soucis avant de repartir. Hein. Et j'ai une question, quand on est en bas, il y a des navettes qui passent régulièrement pour nous amener à Montzéna? Ouais, alors en fait les navettes qui passent, soit si vous descendez par les pistes. Il y a deux arrêts de bus. Non, on descendra par le. Par ici. Alors...